nous faire, mon ami? Est-ce que tu vas encore claquer du pognon pour reconstruire une unité? Et ça, c'est qui ceux-là? Il faut qu'on vérifie là-bas. Qui c'est? À mon avis, c'est pas les mêmes. Regardez un petit peu. Bon, on n'a pas eu d'attaque. On a perdu une relation avec un leader. On a le EV Guided RPG. Ça, c'est bien. Alors, avant, ça, c'est pour mon bazooka. Et on ne l'a pas encore trouvé, on dirait mon bazooka. Par contre, on est monté au niveau 3. On a gagné quoi? Absolument rien qui m'intéresse. Non, alors, absolument rien qui m'intéresse. Infanterie, force, plus 40 en attaque, moins 30 en défense. Ça pourrait être intéressant. La forqueur, je crois qu'on a déjà des trucs comme ça. Official gift, ouais, il n'y a vraiment pas un recrut junior. Alors que je voudrais bien avoir des recrues de talent, mais je crois qu'on en a un. Et un bio of friendship, ça c'est bien. Mais je suis pas très heureux. Je ne suis pas vraiment très très heureux de ce que nous venons de recevoir comme carte. Mais bon, on ne peut pas tout avoir de bon non plus. Hein. Est-ce que tu vas trouver quelque chose de nouveau, mon petit? Maba. Est-ce que tu m'as trouvé quelque chose de nouveau? Oui, tu m'as trouvé quelque chose de nouveau. Là, le programme de sanitation, ok. Absolument pas besoin de ça maintenant non plus. Là, ça ne change rien, sauf que Villemitz vient encore de diminuer. Le trésor, on gagne toujours plein de sous. Sans problème. Les demandes, ben, on a commencé. Donc, ah non, je suis un peu idiot, moi. Je crois que j'ai pas lancé mon truc encore. J'ai gardé trop de points. On est à 726. Bon, on va pas. Ce sera pour le coup prochain, c'est pas grave. Je n'ai pas lancé de bureau puisque je n'avais pas la civilisation. Donc, on a. Il nous manque encore un petit peu de points ici. Pour le modèle design, pour avoir 10 points supplémentaires, c'est dommage. Mais bon, pour le moment, tout fonctionne bien. Ok. On perd 8 BP. Pourquoi? Une bonne question. Alright. Ça va. Les décisions. Tu veux quoi? Le budget et on a autre chose. Zandmark vient de nous blackmailer. Mais que c'est gentil, mon ami. Le problème de nouveau avec ce blackmail, c'est que tu m'augmentes de nouveau mon mind. À part ça, c'est pas très grave. Hein. Tu augmentes mon mind. Tout en augmentant bien sûr aussi mon Earth, mais mon Earth il va impacter de 15 ou de 16 points mon copain là. C'est terrible. Et donc on va d'abord regarder. Alors ici on a trouvé des infos, on reprend. Alors on va un petit peu regarder ce que ça. Comment ils vivent avec nous ces petits en marque. 88, 70, ils sont remontés un petit peu. J'ai l'impression que ça a amélioré nos relations parce que je lui ai envoyé à lui les résultats. C'est bien encore une fois. Hein. Donc, Spy sur Zandmark, Temple School, boum. Nous venons de remarquer qu'ils viennent de nous offrir sur un plateau deux cartes. Et voilà, voilà pourquoi. Look at this. Poum, 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 poum. Voilà pourquoi. Et j'ai bien l'impression que lui, il a envie de passer ici. Oh, on a découvert une petite mine ici, t'as vu? On a découvert une petite mine. Donc on n'a pas eu besoin de notre
dans notre directeur économique pour la trouver. C'est le gouverneur qui l'a trouvé. Metal level 4. Pouah. Là, ça vaut rien. Et de la flotte level 9, mais ça, on s'en fout aussi totalement. Donc, actuellement, ces gens-là se rapprochent. On va donc déplacer deux gens. Je crois qu'il n'a pas envie, à mon avis, de venir m'embêter ici à l'intérieur. Donc, on va fermer ceci. Et on va... Toi, tu restes là. Est-ce que eux tiendraient le coup? Ils ont pas mal d'XP, hein, tous ces gens-là, quand même. Voilà, disons, parce que je voudrais bien ramener quelque chose ici. Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais leur ramener? Ben, par exemple, bah, il est pas très costaud, lui, hein. Petite moto, peut-être, non? Si je m'amenais une petite moto ici. Ah, comme ça, je lui donne pas trop l'envie de venir me chatouiller les naseaux. Combien il y a là-dedans, en fait, dans les woods, là? On a 100, donc on peut avancer là-dedans, nous autres, tiens. Voilà. On a un petit truc, mais c'est un pépé, c'est pas... Il n'y a pas d'urgence. Standby, Plio de Finship. Bonne marque. Gagner 10 points. Ben. Qu'est-ce que t'as un conduite? Toujours pas valable. Hein. C'est un peu chiant ces stancs-là. Mais bon, coup prochain, ils vont passer en dessous de 50, je suppose. Ils n'ont déjà plus, mais alors plus du tout de morale, quoi, ça c'est sûr. Ils n'ont plus du tout de morale. On va lancer une petite attaque. Juste pour voir un petit peu comment ils sont, je dirais. Une petite attaque, par exemple, avec ces gens-là. 24, 25, j'ai pas envie de perdre trop de trucs. On pourrait lancer une petite attaque, juste comme ça, pour voir ce que ça donne. Il me dit 1,4, hein, mais les mecs, ils sont quand même bien avancés. Hein. Ah, on va faire une petite attaque. Montre-moi un peu ce que ça va donner. Ah. Donc on a déjà tous ceux-là qui sont rendus. Et il nous reste deux petits chars là. On va sans doute la perdre, hein, mais il y en a un qui recule, donc il va aussi mourir. Et voilà, eh ben voilà, il n'y avait pas... Le moral, il n'en avait vraiment plus quoi, du moral. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Boum. Avec un seul, c'était suffisant. Parfait. Je peux donc maintenant déplacer tout mon people là. Ça, c'est excellent. On a du rouge. On a du rouge. On a un seul rouge. On va mettre un deuxième rouge. Alors, le canon. Un canon. Qu'il est? Il est là, il est ici. Ce qui veut dire que ceci, mes MG Militia,
ils sont pas beaucoup, on doit pouvoir leur rentrer dedans sans aucune difficulté, logiquement. Alors, vous, monsieur, si vous venez là, vous bouffez 45, et là, vous bouffez 35 AP. Voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, toi, tu n'as plus le droit de bouger. Alors, qui escale? Toi. Tu es le seul à avoir tout ça, toi. Si j'attaque avec toi, tu gagnes 1,4. C'est pas mal, hein? Ça me semble suffisant. Ouais. Ça, c'est con, ça. J'ai perdu mon bunker. Ça, c'est dommage. C'est le seul que je voulais pas perdre, quoi. Ça, je m'en foutais. Bon, on peut passer là-dedans aussi. Allez, toi, tu peux rentrer dedans. Je garderai mes jaunes là-bas. Montre-moi un peu ici. J'ai dû un canon ici. Hein. Ouais. Un canon et un deuxième canon. Je le mettrai ici, le deuxième canon. Donc je passerai par ici avec mon canon. Voilà. J'ai mes deux canons bien positionnés qui pourront attaquer ici le coup prochain. Alors, nous avons besoin d'un peu plus de people un peu partout. Donc ici j'ai quoi? Ici j'ai bien assez de choses. Bien assez de choses. Ici, c'est du brun et du rouge. On va déjà mettre le rouge, ça c'est sûr. Donc là on a deux rouges. On va mettre au moins un brun ici. Et toi? Et alors donc celui-ci il va repasser. Attention, c'est celui-ci qui va se faire le plus taper dessus. Hein. J'ai deux bruns. J'ai deux bruns. Quand même faire comme ça, de toute façon. Toi mon ami, tu avances. Le canon là-bas. Il serait peut-être intéressant, mais il n'est plus qu'à 61. Alors toi, t'es brun. Mais je peux plus le bouger. Maintenant, je l'ai foutu là, je l'ai laissé là pour l'instant, mais ça aurait été bien plutôt de prendre ce brin-là, le ramener ici et le jaune, le monter là-bas. Mais bon, là, on vient de le rentrer dedans, mon cher ami.
ils vont souffrir un maximum. Qu'est-ce qu'on a là? Il reste 300 rifles militia qui n'ont plus rien du tout non plus. Est-ce que je pourrais pas les attaquer? Si, je peux les attaquer. Montre-moi un peu. Pah, 46 contre 1. Je peux même attaquer avec le char aussi. Ok, est-ce que je peux rentrer dans le petit trou là-bas? J'en aurais que deux qui pourraient rentrer là. Mais deux, c'est pas mal. Plus peut-être un autre. Ça, c'est quoi donc, comme je dis, c'est Darwin. Et je pourrais peut-être encore en mettre un qui rentrerait là-bas, non? Je pourrais en mettre un en plus. Est-ce que je rentre dans le trou? On va rentrer dans le trou. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Et à partir, donc ici, je me fais attaquer deux plus ça, mais ça, c'est... Il n'y a plus rien, ils sont à 49. Ça va, par contre, là, c'est dans la ville, hein. Donc là, on... Mais ils n'ont pas des tonnes, hein, dans leur truc, là. Ils n'ont pas des tonnes. Et ça, c'est 15. Et... Oui, 68, eux ils sont beaucoup plus costauds. Mais moi j'ai deux line troops, 200 et c'est du line troop 200. 2 pardon, tout est en 2. C'est 2 fois d'AMG qui va traîner là-dedans. Ils vont quand même avoir beaucoup de mal à nous en sortir. Et on va stopper nos attaques. Et on va juste renforcer toutes nos unités à nouveau. Faire un tout petit peu de munitions. 276, regardons management mes assets. Alors ça se trouve ici, 0,2 tours, il me reste donc 20 points industriels à construire à cet endroit-ci. Est-ce que nous sommes à 3 points qu'on voit ici? Il faut que ça monte un petit peu plus normalement, mais ça ne devrait pas poser de problème, parce que si vous construisez quelque chose d'un niveau 3, hein, qui vous oblige d'avoir une civilisation niveau 3, et que le coup suivant ça diminue, ça peut arriver, hein, si vous faites péter un bâtiment,
Enfin, ou si vos mecs, vos leaders piquent une crise, et donc ça diminuerait, enfin, qu'on perdrait les points. Donc, voilà. Et vous perdriez à ce moment-là tout votre bénéfice. Donc, on peut lancer, puisque ici, on voit qu'on a fini une construction de bonheur, hein, donc librairie, là, d'éducation, et on termine également le casino. Donc, ça va augmenter dans tous les cas nos petits bidules de civilisation. On devrait augmenter. Donc, je peux venir construire maintenant mon bâtiment. Bureaucratique office, le voilà. Je voulais également savoir combien on va se prendre dans l'énergie, puisque on va avoir terminé celui-ci. Je pense que ça me consomme de l'énergie, etc. Alors, expend, montre-moi un petit peu l'énergie, comment ça va se passer. Alors, 306 de zone inventaire, donc production 225, consommation 306. Donc voilà, on commence à être trop court maintenant. Et excusez-moi. Donc, tu me consommes la petite 100 points, je crois, par tour, hein. Sans IP. Ok. On a un Hall and Drill qui est ici, qui est où? À Oreba. Oreba. Alors, Oreba, c'est ce truc-ci. C'est ce truc-ci. Qui est abîmé. Bon, on va déjà le mettre en 25 de production. Ou carrément le Mossball. Ou carrément le Mossball pour le moment. Donc pas de production, juste de la maintenance, ça sera suffisant. Ça va être intéressant. Il y a une mine de niveau 4. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il peut plus rien tirer pour le moment, donc on lui a piqué de toute façon. On va lui piquer après, mais ça, c'est bon. Toi, ta Metal Mine de niveau 3, tu peux y rester. Angel Fire, on a un Metal Mine de niveau 2, mais qui va aussi pour le moment être... qui est embêté parce qu'il va nous donner du danger. Donc on va, pour l'instant, le Mossball aussi. Je ne sais pas si ça va jouer pour la peur ou pas, je n'en sais rien. Parce qu'on voit ici, donc, danger augmente d'un point à cause de la présence des ennemis près des assets dans cette zone, hein, ce qui est un petit peu logique. Là, ça diminue petit à petit, hein, donc ça va. Ça ne bloque que de 19 points, donc on ne peut pas monter plus de 81, c'est tout ce qu'on pourra faire, quoi. Alors là, par contre, tu me dis que tu perds un peu de points aussi. Il faut que, peut-être que je regarde mes tés. Le problème ici, c'est qu'il y a tellement d'embranchements qu'on a du mal à s'y retrouver. Hein. Si on regarde ici, on est passé maintenant en bleu à ce niveau-ci. Alors le bleu à ce niveau-ci, c'est pas très grave, puisque dans mon avis, c'est 36%, c'est la deuxième. Les autres sont à 100%. Donc ça pose pas de problème, c'est pour ramener des choses vers Kareka. C'est pour ramener tout ce que tu dois ramener de Kareka. Si je bloquais ici, par là, donc on ne peut plus descendre d'ici. À part les pull points, admettons, mais on va faire comme ceci. Si je bloquais comme ça, le tour d'après, ça viendrait 1148, et puis après, il ne pourrait pas redescendre. Mais je suis pas sûr. On verra bien. C'est pas... De toute façon, j'ai pas de problème de logistique. Hein. J'ai aucun problème de logistique. On pourra après racheter cette histoire-là.
Ok, il nous reste 279. Nous pouvons encore. Donc, on a 100 points à mettre pour les bureaux. Donc, il nous reste 179 points. Je voudrais modifier cette fois-ci en i. Revenir dans les canons. Je voudrais modifier mes canons. Alors, 40 AG, 10 AG, combien ça me coûte pour construire mes nouveaux canons? Mes nouveaux canons, c'est pas du tout ça que je dois faire, c'est ici. Les AG de artillerie, AG de 32, ça coûte. Je peux faire 150. Donc je peux faire 128. Donc je dis 100, 179 je peux prendre. Donc je peux me faire 5 AG. Je peux en construire un complet. 160, ok, je peux en faire un complet. Bon. Ce qui veut dire que je peux soit transformer tout ceci, soit tout ceci. On va prendre tout ceci. Ça, c'est assez joli, je dois dire que ça va pêcher un petit peu plus. Ça va pêcher même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il me reste 119, on va s'arrêter là pour ce tour, je pense. Il nous reste des décisions à prendre, je paye. Donc je perds 16 points de nouveau avec Frédéric. Frédéric, tu m'ennuies. Et nous allons modifier un tout petit peu notre budget. D'ailleurs, je vais modifier le budget. Je vais modifier le budget. Alors, l'intérieur, je te garde. Le foreign affaires, on va te le garder à 10. Le service secret, il reste comme il est là. Le staff council. Le modèle design. Le recherche militaire, je voudrais te descendre un tout petit peu. Donc, toi, tu restes comme tu es là. Le conseil intérieur, tu restes comme tu es là. Foreign affaires, tu restes comme tu es là. Service secret, c'est toujours bon. Le staff council, le modèle design. On va augmenter. Diminuer de 2 points la recherche. On revient à 12 ici. Pour le moment, le staff council, ça coûte énormément de points, le staff council. Ça coûte énormément de points. On va garder l'économique comme il est là. Et comme ça, on passe à 14 au Staff Council. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour l'instant. Je confirme. Sony a perdu 5 points, malheureusement. Et Glitch, il en a gagné 1. Allez, on y va. On avance d'un tour.